What? Il a des vrais. Ah putain, il a un panneau blob. Il a des vrais respawns, il a 20 niveaux de moins que nous. C'est un sacrifeu du coup, c'est ça? Ah, le gamin. J'ai mon mode rocks, 30% feu quoi. Par contre, c'est vrai qu'on aura été occupé, on pourra plus faire des trucs comme ça. Hein. Ah, c'est vrai que je suis kaboom maintenant. J'allais dire, il peut nous mettre dans les bombes et tout, ça va être chiant, mais vu que je suis kaboom, en fait, bah les couilles un peu. Ah, c'est vrai que c'est quand même bien ce petit kaboom. Hein. Je sais même pas si ça sera rentable de jouer Toupie. Ouais, quand même, ça doit être trop fort, Toupie. Ouais, non, jouer Toupie, je pense quand même. Alors, Bad No. Là, avec le Bisouglour, je suis censé faire assez mal quand même. Après, j'ai pas de res comme lui. Il va nous taper loin, c'est le problème des sacrifices, c'est chiant. Ils sont pas obligés d'être à notre cac pour taper. On va tester comme ça. Bon, ça va, il prend quand même cher hein, sur ses 30% feu. Ah ouais, il transpawn des bombes. Ah, il s'est trompé apparemment. Ah non, il veut juste taper la bombe. Ah, mais elle est rémission là. Il a mal choisi. Je sais pas si j'ai assez. Ah si, normalement j'ai assez avec un roblabot. C'est vrai que le roblabot il a que dalle de PM. Normalement c'est bon, il a assez là quand même, faut pas déconner. J'aurais même pu me pousser, non? Ah, il est quasiment mort, il va proc son. Ah non, il a pas d'argenté? Ah non, il le proc pas encore, il a encore trop de points de vie, je crois. Ah, il l'aime pas cette bombe hein, depuis tout à l'heure, et il galère dessus. Non, Hein. j'ai la vente de tibia, Oh là Il là. a Rachid? Je crois qu'il a Rachid parce qu'il a pas tué la bombe. Merci Chasey pour les 4 mois de sub, merci beaucoup BG, bienvenue à toi. 2 millions d'eau d'XP, hop. On va mettre nos points. Je crois qu'il a Rachid parce qu'il a pas tué la bombe. Après, même s'il l'a tué, franchement, il était trop dans le mal. Hein. Let's go contre un steamer. T'as un 12-6, 2100 points de vie. Ça sent mauvais, cette histoire. Il a pas compris la rémission. Mais il n'y avait plus rémission, là, à la fin. Mais tout à l'heure, ouais, il avait pas compris au début. Là, ça sent mauvais, quand même. Un hein. Steamer 12-6, 2100 points de vie. C'est du solide, c'est du solide. C'est pas ingérable du tout. Il a pas de raise, au moins. J'aurais peut-être dû mettre Bisouglour. Après, si j'avais pas eu Lini, ça aurait été chaud. Au moins là, je suis sûr d'avoir Lini avec la DD. Faut voir s'il a une DD lui ou pas. Ouais, il joue en DD. Avec un acharnement machin en plus, donc ça va pas être un Randy. Hein. Avec des objets et tout là. Alors ça joue. Ok, direct il vient par là. Il a le niveau pour embuscade en plus. Là, on va se booster Kaboom. En plus, il va pouvoir nous debuff le Kaboom. C'est relou ça. Pas te mentir, c'est chiant. Je crois que je vais lui foutre une bombe à la gueule en vrai. Hein. Ça le gêne ça je pense un peu. Bah, je sais pas, tu sais, il galère à Evo, il peut pas marrer. Non franchement je pense que c'est pas mal. Je pense c'est pas mal. Voyons voir. Ouais, du coup il est obligé de KO de marrer, hein. Ça coûte super cher. Hein. Et comme ça il est de mon côté là, c'est bien. Parce qu'il peut pas Evo et mettre une embu. Donc là il Evo mais il met pas d'embu. Je pense que c'était le bon call en vrai. Il met longue vue quand même, ça fait mal. Et après il se barre. Pour l'instant je vais pas claquer de cooldown, on va juste la faire à l'ancienne. Après je vais peut-être lâcher ton roublard 10 quand même, c'est pas trop mal je pense.
Rémission, c'est cool parce que c'est du multiligne. Après, si je vais là, c'est un peu obvious, mais bon. Tant pis, hein. Vas-y, c'est obvious de fou, mais c'est pas grave. Parce qu'il galère en embuscade, en fait, où je suis, il n'y a pas de ligne de vue. Faut qu'il aille là-bas, c'est trop galère. Là, il va en but la bombe, je pense. Voilà, est-ce que c'est la one shot? Non, ça va. Il va se barrer là-bas. Ah non, il va tuer la bombe, d'accord. Mais en vrai, on s'en fout de cette bombe. Et il en but l'autre, mais vu que je l'ai rémission, normalement, ça va, ça tank un peu. J'aurais dû rémission l'autre, mais bon, c'est pas très grave. Merde, j'aurais dû garder des PA au lieu de rémission pour me planquer des lignes de vue. Bon, au moins, il va venir nous taper, certes. J'aurais pu flammer, peut-être. Mais peut-être qu'il va pas tuer les bombes, ou je sais pas, on va voir. Alors, il a encore 5 PM, putain, mais c'est Chitei. Il est en 12-6 avec le scaphandre, il est en 12-7. Il est bien, il est bien. Alors, écume. Bah, tu vois, il tape pas les bombes au moins, du coup. Double écume et embuscade. Il va nous faire un full tour burst. Mais au moins, normalement, on peut choper facilement dans les bombes, quoi. Ça fait mal hein, quand il fait un full tour comme ça, moins 1000 d'un coup. Alors, il va se placer. Dans tous les cas, là, je pense, voilà, c'est pas dur à murer là où il est. Peut-être mettre un pulsar en vrai, full DPS. J'ai peur qu'il me mette dans mes bombes. Je vais me casser là-bas, je pense. Et il prend déjà cher, hein. Je pense qu'il va proc son argenté bientôt. Il aurait 500 points de vie, il m'en reste 1300. Après, on a vu qu'en un tour, il peut faire très très mal. Là, c'est bien parce que celle-là est rémission, on peut pas la tuer. Ok, il passe par là. Ouais, c'est galère pour faire des bonnes entourloupes là. Il est bien placé en vrai. Ah, en plus, il va se barrer encore plus. Ah écoute, on va passer en mode soin. Hein. Cuirasse, il va à spi, je suppose. Fais chier, je peux pas le pulsar. Voir si je tape en brut là. Ouais. Putain, mais sa harponneuse, elle fait trop mal. Putain, en vrai, en brut, ça pique aussi, hein. Bon, de toute façon, il doit avoir un argenté, à mon avis. Je sais pas trop où je me cale, là. Ici, peut-être. J'ai peur qu'il nous one-turn, là, mais bon. Ah, il a même pas d'argenté. C'est bizarre, il est full optime, il a pas de coco ni argenté. Ça doit être un mec qui a la flemme de faire des quêtes, je sais pas, c'est bizarre. Parce que franchement, il est bien stuff, quand même. Hein. 12-6, 2000 points de vie avec un peu de... Ça se voit qu'il est par chaud, tu vois. 10 de tacle et 12 de sagesse, là. 12 d'esquive. Donc je pense qu'il est parchoté, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de belles qui sont parchots quoi. Là c'est chaud, c'est juste s'il arrive à nous one turn. Mais je pense voilà, il va même pas essayer, il va juste se barrer pour se soigner. Bon là je crois que j'ai pété toutes les bombes, hein. Elles servent plus à rien, je pourrais pas les utiliser. Faudrait peut-être que je vais en garder une là, pour en tourloupe. Je pense qu'on va faire ça, on va en garder une pour en tourloupe. Les autres ça sert à rien de les garder, plus utile du tout. Putain elle saoule son arpo toujours à crit là. Parce que sur un seul tour là, même ça se trouve il nous full tap là on meurt. Hein. Ça c'est ça, je peux pas savoir à l'avance. Il va tenter. Ça dépend des jets, je pense. Je crois pas qu'il tue. Hein. Ah, s'il fait un bon jet ou un crit, peut-être il tue, fais voir. Suspense. Non, tu vois, il tue pas. Parfait. Comme ça, je crois que mon Dofus argenté. Ah, c'est pas un scintillant, mais. Ah, c'était limite, mais bon, fallait que je joue risqué là. C'est pas encore win. 500 points de vie, faut que je l'efface. Bon, il va reculer, non? Même pas. J'aurais peut-être pu lâcher dans l'entourloupe début de tour, mais bon. DS. Ça passe. Putain, c'était chaud. C'était chaud, mais ça passe. 94. Là, c'est galère. Limite, Roublabot. Mais je crois que mon... Je sais plus s'il a tiré à cette case, le Roublabot. Je sais jamais. Faudrait que je regarde une bonne fois pour toutes si ça attire assez, sinon je le fais en deux fois par là. Ce sera plus safe. Alors combien ça va taper sur 40%? Putain, sur 40% on fait du moins 500, c'est pas mal. Hein. Ça c'est parce qu'on a deux bombes qui sont mousquées aussi.
Ça rajoute un peu de dégâts. C'est quoi le meilleur moyen pour rush XP? Les songes infinis. Sinon, Corian, tu te fais PL. Dragon rouge. Ça sert à rien, hein, si. C'est juste pour soigner qu'il le met. Je pense. Ah ouais, le placement, il a peur de rien, votre pote, hein. Voilà, attends, on va voir comment il se place, mais avec le dragon, parce qu'il peut peut-être encore me gêner, mais là, son placement, il me fait peur, hein. Bon, ça a pas l'air d'être le meilleur élément, les os à feu, bas niveau, je pense, c'est pas le meilleur bail. Esdouf, ça passe tranquille. Après, il était mal stuff. Yes, on a étoupie. Bon, je peux pas lui faire si mal que ça. Il a pas poussé la bombe, zéro cerveau. Bah ouais, mais bon, là, de toute façon, gros. Je mets une entourloupe, ça va pas le tuer non plus, quoi. Ça fait mal en vrai, putain. Je commence à taper fort, les gamers. Bon, on va roblardise. J'ai envie de tenter un brain. Ça serait vraiment culotté. Allez, tu sais quoi, tente le brain, beau jeu. Hop. Mais DS, les gars, la portée est vraiment trop petite. Hein, je vous rappelle, hein, ceux qui n'avaient pas suivi, la portée DS est trop petite. C'est galère à utiliser, puis ça donne pas beaucoup. Franchement, là, c'est grave. Hein, c'était pas logique du tout. J'étais vraiment, mais pas logique. Je voulais tenter le brain. Alors, roue de la fortune à la fin du tour et bluff. En vrai, par contre, t'as vu son placement. Là, c'est bon, il meurt, je pense. Hein. Il a fait de la merde. Hein. Allez, bye bye. Ça va, au final, même s'il nous a trouvé direct, tranquille. Tranquille, tranquille. Allez, niveau 96. Bref, on va pouvoir le murer, non? Je sais même pas, parce que la bombe, elle est galère à mettre avec 5 PM, avec son arbre à la con, là. Faut que je roule la botte, sinon j'ai pas la ligne de vue, si. Je crois pas. Je voulais tenter un move bombarde, mais bon, j'ai joué safe. Bon, c'est pas mal, la statue, la gonflable avec, franchement, c'est lourd. Est-ce que ça passait, bombarde? Si je mettais ma bombe ici, j'allais là, bombarde, ça la poussait là, non? Ça aurait été bénef, en vrai, j'aurais pas claqué le roubla bot. Là, il va pouvoir repoison proxy, il va pouvoir retuer les bombes. Ah, vraiment, ça dit, bah, level, c'est trop chaud. Mais attends, c'est pas perdu encore, hein. Là, c'est cool, il a pas réinfecté la bombe du bas. Oh, ça va, il a pas trop clean, hein, juste qu'il fait mal par contre. Là, est-ce qu'il va sauver sa gonflable? Je sais pas. Hein. Ça serait bien qu'elle meure la gonflable parce que ça lui file des PM et tout, c'est grave chiant. Il a pas la surpuissance si. Je crois que c'est niveau 90 la surpuissance, donc ça c'est bien en vrai. Tu vois, limite, j'aurais même pas dû mettre de l'esquive parce qu'il avait pas le niveau pour la surpuissance, mais je pouvais pas le savoir à l'avance ça. Qu'elle a bloqué, c'est vachement casse-couille. Parce que j'ai pas la libé, si j'avais la libé ça va, mais... Trop stylé, bombarde. On va faire ça. Putain, il a tellement de points de vie, j'avais pas vu, c'est abusé. Bon, allez, il va faire poison proxy. Quoi qu'en vrai, elles sont pas infectées, mais bon, en bas, je crois. Hein. Faut qu'il mette un arbre à côté, je pense. En fait, il est bien petit, hein, quand même. Un 12-5 de base, c'est pas mal. C'est pas mal, là on le descend un petit peu. Il va tabasser en brut, mais ça va, aller. Il n'y a pas d'état infecté en vrai, donc c'est même pas très grave. Herbe folle, l'autre elle est rémission, peut-être elle va tanker un peu. Attends, mais elle est rémission ou pas là? Il n'y a pas eu de réduction de dégâts dans le chat, c'est bugué? Ça doit être bugué, c'est bizarre. Il y a l'icône de rémission, mais je crois qu'elle n'est même pas rémission, c'est trop bizarre. Il n'y a pas eu de réduction écrit, ou alors j'ai pas vu, je sais pas. Ok, il se place là-bas, il aurait 5 PA, il y a la bloqueuse qui va casser les couilles. Comme d'hab, hein. Ouais, c'est bénef, ça me débloque en même temps. Putain, là, ça me donne envie de faire tout péter, là, mais on n'a pas bombe collante. De toute façon, ça taperait pas assez fort, surtout. Bon, ça, il est quand même bien gêné, là. 300 dégâts, ça tape pas très fort hein. En même temps on est... Ah si ouais, je suis pas en DD ni en familier Dofix, c'est pour ça. Familier esquive PM qui d'ailleurs sert à rien dans ce combat parce que pour l'instant il fait pas de retrait.
Elle a bloqueuse, elle a tellement de points de vie. Grave relou. Alors il va faire quoi? Donat, il va se barrer là-bas. Poison de proxy. Ça va, il n'y a pas toutes les bombes infectées. Hein. Il n'y en a qu'une seule d'ailleurs. Ouais, c'est un peu de la merde. Hein. Le tour est pas fini, mais c'était pas ouf du tout comme tour, il aurait pu faire mieux. Oula. D'accord. What the fuck? La bloqueuse a 4 p... elle a 5 PM, elle s'est arrêtée derrière, non mais d'accord. B bien sûr. Ça attire pas les... C'est censé attirer là, non? Ah non, parce que je vois pourquoi. Est-ce que je peux tuer l'arbre ou pas? Ou au pire, j'attire en deux fois. Oui, au pire, j'attire en deux fois, c'est pas grave. Hein. Il aurait 700 points de vie. Tu vois, là, j'ai envie de faire un DS, mais j'ai même pas toutes les bombes avec, gros. Ouais, ça va, ça passe quand même. Hop, 2,5 millions. Il me fait peur votre pote là. J'aurais dû prendre la DD, hein. J'aurais eu l'Ini, ça aurait été beaucoup mieux. Alors il est feu du coup je suppose. Il va spammer tempête ou pas? Épée divine. Une tempête sur la bombe, on s'en fout. Putain, il tape fort. Hein. Il tape très fort. Et après la puissance. Non même pas, il a même pas la puissance. Oula. Ah le gamin. Ah le gamin. Ça c'est de la gaminerie, tu vois. C'est vrai qu'on a toujours pas la bombe ambulante en plus. C'est ça qui fait chier avec les up-feu, c'est qu'ils clean trop bien les bombes, genre. Moi j'ai claqué l'entourloupe super vite, mais bon. Merci Warzo. Ah non, merci à Cédatox qui a offert un sub à Warzo pour les 2 mois. Merci BG. Je vais faire une botte. Ah non, je peux pas botte. Je voulais botte pour mettre du shield. Ouh là, la Flamiche, ça fait super mal avec le Bisouglo. Peut-être un carreau bla botte. Le problème du Roblabot, c'est que c'est un clochard qui a pas de PM. Tiens, j'aime Kaboom parce que ça sent quand même le Yop qui me pousse dans mes bombes, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça va taper fort cette histoire? 420, c'est pas mal. Là, en même temps, Bisouglou, on fait beaucoup plus mal. Hein. On fait beaucoup plus de dégâts qu'avec la DD ou quoi, parce que les 20 d'eau feu, ça fait trop le taf. Donc là, il va spammer les tempêtes. Alors, combien il tape? 320. Oi, oi, oi. Trop deux crits, hein, le fameux tutu. El Famoso, triple crit. Hein, il est chaud quand même. Hein. Alors, par contre, il a tué aucune des bombes. Hein. Il a 5 de tacle, on n'est pas du tout taclé. Tu vois là, si j'avais DS niveau max, j'aurais DS. Et encore, pas sûr, c'est un peu risqué. Il a même pas précis en plus là. J'ai Kaboom, on est d'accord. Ouais. Je vais me coller à lui du coup. Je tente la rémission sur moi, je pense que ça va faire grand chose d'intéressant. Ah bah il meurt, tiens. Putain, je tape si fort que ça. Let's go le petit Yop là. Il était niveau combien ce Yop? 127, j'avais même pas fait gaffe, il était au niveau. Tant on l'a bien fumé au final. Hein. Ça fait tellement mal avec le bisouglour. Au final, pas si mal le petit bisouglour. Et on passe niveau 97. Tiens, on va essayer un petit 3v3. On va le jouer simple. Alors, funeste, funeste, mortel, j'ai pas fait gaffe ce qu'il a fait après. D'avoir un piège ici, logiquement. Alors, je remontre encore une fois la portée de dernier souffle que les gens comprennent bien. Ce que je vous connais par cœur, les gars.
pas si un chauffeur est des tacles quand il y a 6 de tacles. On a KO, ouais, ça va. Si je pense qu'il voulait nous pousser dans les bombes, peut-être. Non, même pas. Oula, c'est quoi ce placement là? Normalement il crève. Niveau 99. Et prochaine victoire on up niveau 9. Et prochaine victoire on up niveau 100. Si on gagne. Enfin oui, prochaine victoire du coup forcément c'est une victoire quoi.